Chapitre 1, épisode 3, les incohérences de Monsieur Mensch Frédéric. Le grand-père naturel. La grand-mère répond, tu pourrais dire que je suis belle. Ensuite, au moment de partir, sa sœur Stéphanie Mensch fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard Mensch répond que la voiture est cassée. La BM, les freins sont cassés. Bernard Mensch répond, tu préfères retourner à Soubéran ou aller à Poitlaval? Et Fred répond, sans aucun poète-poète, je veux pas aller à Poitlaval. Sa mère, Christine Mensch, répond, donne la main à grand-mère. La grand-mère a un ballon sur elle attaché. Fred répond, non. Je veux pas monter au ciel à Poitlaval, la bagarre. Rabbi Jacques répond, elle est partie, ta copine. Et Fred répond, j'ai pas de copine. Fred fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant, les rapports sexuels au foyer sont interdits. Frédéric était amoureux d'une fille, il la prenait pour Zéna la guerrière. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les parents de Frédéric étaient tous au courant. Son père pose la question à Frédéric, est-ce que toi, on t'a déjà violé? Je réponds, un barbu. Frédéric alla à Poitlaval, pas de Dieu ni d'ange. Frédéric se masturba dans la salle de bain. Franck l'a surpris car la salle de bain n'était pas fermée et c'est une salle de bain pour tous. Au moment du repas, Frédéric a des hallucinations auditoires et pendant le repas, tout le monde était à table. Sauf Stéphanie Zéna, l'éducatrice Brigitte Bardot, elle est amoureuse de Frédéric, elle va pas bien dans sa tête. Frédéric, c'est pas un mec qu'on peut aimer. Frédéric est le foyer à la dehors. Frédéric répond, tu étais pendant le repas, Julie Lescaut. Il paraît que Stéphanie Zéna est amoureuse de moi. La fille répond, j'étais pas là. Et Stéphanie Zéna répond, je ne suis pas amoureuse de toi. L'éducatrice, elle t'aime pas. Tu vas arrêter de l'emmerder. Mets-toi ta bouche. Tu as de la merde. Frédéric alla dans la chambre et Cupidon arrive et Frédéric lui donne 50 francs. Je te donne les sous. Si tu me fais l'amour, Cupidon répond, d'accord. Frédéric répond, est-ce que tu m'aimes? Cupidon répond, non. Frédéric répond, il faut m'aimer. Ensuite, Frédéric répond, ah, du dégoût, ça va pas la tête. L'éducateur les a surpris le lundi quand il retourne au foyer. Frédéric est choqué, il n'aime pas les mecs. Ensuite, Frédéric regarde les diapositives auxquelles il montrant un homme en tout en blanc qui se bagarre avec un homme en rayures noires et de ce coup, ils sont tous les deux avec des rayures noires et blancs. Ils sont pareils. Ensuite, il en a un habillé avec des triangle noir, ils vont tous les deux lui taper dessus et tout d'un coup, ils se retrouvent tous les croient pareils. Nous sommes tous pareils. Ensuite, le professeur fait lire un livre de maths et dans le livre, il y a Mas et une fille. Ils sont dans la cour. Ils vont pour aller au cinéma. La fille était derrière Mas, la fille j'étais devant, tu m'as doublé.
Eman répond, t'es qu'une fille, qu'une sale fille, et le professeur apprend ce jour ce que c'est le racisme, ce n'est pas accepter la différence. Ensuite, le professeur explique pourquoi il y en a qui sont noirs et d'autres blancs. C'est une question. Il y en a qui ont vécu au froid et d'autres qui ont vécu au chaud. C'est pour ça que c'est peut être une question d'ancêtre et parfois pulmonaire.